du King Kong a élu son chef. Impassible et droit, son jugement est bref. L'œil du crépuscule veille sur la nation. Ionia ne cédera pas à la déraison. L'équilibre de l'ordre est sa priorité. Guerre et massacre, il s'efforce d'ignorer. Mais est-ce vraiment le bon choix? Seul l'avenir nous le dira. Si en plein combat tu cèdes à la panique, il te sauvera grâce au pouvoir arcanique. Grâce au pouvoir arcanique. Entre royaume des esprits et monde mortel, Jaji affronte l'ennemi et Jonja la paix. Jette sa lame d'esprit, la balance des deux mondes sera rétablie. Ces lames d'acier permettront-elles de sauver le temple de son ami et ennemi juré? C'est là entre sacrifice et trahison qu'il s'interroge sur sa place et sa raison. Au fond de lui, Shen le sait, l'ordre des deux mondes doit être préservé. Mais entre rancœur et vengeance, le doute en lui avance. Si en plein combat tu cèdes à la panique, il te sauvera grâce au pouvoir arcanique. Grâce au pouvoir arcanique. Entre royaume des esprits et monde mortel, Jaji affronte l'ennemi et Jonja la paix. De sa lame d'esprit, la balance des deux mondes sera rétablie. Les années ont passé et l'ordre est rétabli. J'ai la su former de puissants guerriers aguerris. Mais après chaque mission, son cœur se questionne. La voie qu'il a choisie est-elle vraiment la bonne? Il s'est juré de préserver la tradition. Vivre entre deux mondes n'est pas une solution. Maître Kushan aurait-il eu tort? L'œil du crépuscule sera-t-il assez fort? Si en plein combat tu cèdes à la panique, il te sauvera grâce au pouvoir arcanique. Grâce au pouvoir arcanique. Entre royaume des esprits et monde mortel, Jaji affronte l'ennemi et Jonja la paix. De sa lame d'esprit, la balance des deux mondes sera rétablie. Il s'efforce d'ignorer ses émotions. Entre humain et esprit, il en est le pont. Quel est le bon choix pour sa nation? Shen remet en doute ses convictions. Si en plein combat tu cèdes à la panique, il te sauvera grâce au pouvoir arcanique. Grâce au pouvoir arcanique.